Estamos preparando el camino a la amistad. No podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar maldad. No podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar maldad. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Si llegaras a vivir,

27 ans, 17 ans, 30 ans, à perpétuité et après. à la mort de Nelson Mandela, un monde est parti avec lui dans le cimetière de son village natal. Ce jour-là, les crocodiles en versaient des larmes et des soupirs d'hypocrisie. Ils étaient tous là, tous ceux qui ont soutenu le régime raciste de l'apartheid, sauf l'Israël pour des raisons financières, entre guillemets. Pourquoi personne n'a énuméré les États qui ont soutenu en son temps cet État d'apartheid pourquoi personne n'a noté la collaboration des services secrets israéliens dans la répression directe des révolutionnaires Et comment se fait-il que personne n'a signalé l'aide de Cuba à la lutte contre l'apartheid Je comprends mieux pourquoi les médias n'ont retenu que le flirt d'Obama avec la Première Dame, ministre du Danemark, Première ministre du Danemark. Derrière cette hypocrisie médiatique, des larmes réelles étaient versées par ceux et celles qui avait le cœur gros d'avoir perdu un militant de la liberté des peuples et des opprimés, celui qui a brisé par la violence les chaînes de l'oppression coloniale et raciste et mis à bas le régime de l'apartheid le plus onni du monde. Par contre, pendant cette cérémonie, aucune information sur l'Afrique du Sud n'a rappelé la longue marche de cette lutte et de ceux qui sont tombés comme notre camarade Steve Vico, l'homme de la conscience noire avec d'autres aussi, pour que la communauté internationale daigne enfin se pencher sur cette sale situation coloniale. On se demande souvent et de plus en plus si l'histoire bourgeoise ne s'écrit pas tout simplement et uniquement avec les émotions de l'immédiatité. Ce jour-là, à la mort de, à l'enterrement de Mandela, ce jour-là a mérité une hola populaire et gigantesque, comme un tsunami pour réveiller le monde, tous debout, pour mettre en harmonie les idées de Nelson Mandela dans ce monde de barbarie et d'apartheid et libérer les prisonniers politiques dans le monde mais l'histoire n'est pas aussi mécanique qu'on le voudrait hélas lorsqu'en 90 Nelson Mandela a été libéré après 27 ans et demi de séquestration par le régime raciste d'Afrique du Sud nous pensions que la civilisation nouvelle allait montrer son désir de mettre fin à la barbarie de la barbarie de ces régimes qui maintiennent des militants dans un état de priva priva privation de liberté extrême nous pensions qu'un cycle de barbarie d'État venait de se refermer confirmé par la libération du Mandela marocain, Abraham Serfati a purgé 17 ans de prison dans les geôles de Hassan II à Tazmamar. Les emblèmes de notre lutte étaient libres. Nous allions peut-être vers plus de justice, plus d'humanisme et moins de souffrance. Et oui, dans les années de notre jeunesse, nous pensions que 27 ans de prison étaient le nombre d'années d'emprisonnement indépassable. Enfin, on disait, la civilisation devait jeter aux ordures les monstruosités de l'ancien monde. La civilisation allait mettre dans les poubelles de l'histoire ces idées nauséabondes du racisme, du colonialisme, du fascisme et de la vengeance d'État. Mais non, la barbarie est toujours là, avec plus de victimes d'assassinats, plus de prisonniers politiques qui ont largement dépassé l'ignoble chiffre de Mandela, comme si nous avions remplacé la peine de mort par une peine de torture morale, physique et psychologique. On peut accuser les autres de barbarie, mais comment définir ces régimes dits de droits de l'homme Ces régimes des droits de l'homme lorsque certains prisonniers vont, vont dépasser la trentaine d'années de détention, Georges Ibrahim Abdallah, et d'autres les ont dépassés, Moumia Abou Jamal, 31 ans, et certains les ont largement dépassés, Léona Léon Léonard Pelletier, 37 ans aux États-Unis, et tous les prisonniers, femmes et enfants palestiniens, entassés arbitrairement dans les Joëls israéliennes, près de 4800 détenus dont environ 300. En détention administrative. Détention administrative, une mesure qui autorise une détention de six mois sans jugement, sans preuve, sans avocat, est bien sûr renouvelable à l'infini. La barbarie comme le colonialisme sont de retour pour soi-disant nous protéger des barbares, Irak, Libye, Syrie, etc. Ou pour soi-disant sauver les populations Côte d'Ivoire, Mali, Centrafrique, qu'on fera rentrer de force dans notre histoire. Signé Gilbert Anna.